Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'étude biblique, jeudi mardi 16 avril 2024. Avec nous, Pasteur Grégory. Pasteur Grégory à vous-même. Bon Dieu bénis. Merci bien. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient richement multipliées en Jésus-Christ. Et nous infiniment bénis dans le Seigneur pour grâce-lui, ainsi que pour miséricorde que jusqu'à présent on a fait l'objet. Et nous, aujourd'hui, mardi 16 avril 2024, c'est toujours avec un pile contentement. Nous comptons qu'on est là. Donc, étant préparé, nous pour quitter cet espace pour nous dialoguer, étudier ensemble parole Seigneur. Mon cœur que cap bon pour bénéfice, nous tout un chacun cap tendé là, et particulièrement moi-même en particulier. Et nous comptons, j'aime dire tout à l'heure pour nous là ensemble, nous espérons que c'est lui-même tout bon côté par où. Disposition étant là, pour nous faire balade là ensemble. On allait étudier ensemble parole Seigneur. On avait vite au jeune que nous avec nous. Quelques mots de prière, mais avant, non, on fait quoi que ce soit. C'est ce Père Jésus-Christ, avant de glacer dans le bien, nous pensons. Nous avons gloire et louange, que son honneur était. Merci pour grâce. Merci pour majesté. Merci pour miséricorde envers nous. Merci pour assistance auprès de nous. Merci pour ça, pour permettre que nous, là, qui sont pour nous étudier ensemble parole, qui sont nourriture, que nous avons besoin au jour le jour. Et nous pensons pour ça que va dire là, on va permettre que nous pouvons élucider que nous, chacun de nous. Et nous va sortir béni pour nous comprendre parole. Et nous va amener pour nous mettre en pratique. C'est pour ça que nous prions, Père, c'est au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la gloire de la magnificence. Siècle et siècle. Amen. Oui, une fois encore, nous comptons. Et pour nous rejoindre encore. Et dès qu'il t'aura pas entier mardi passé, j'en dis tout à l'heure, aujourd'hui, nous étant mardi 16 avril, déjà quatrième mois, commencer à aller dans plein gré pour aller faire route, les comptes qui ont dit. Mais nous bénissons, Seigneur, dans l'action de grâce, le fait que l'Esprit que nous très bien. Semaine a déjà commencé très bien pour nous. Et même si tu as gagné quelques petits pépins physiques, parce que non pas t'as de quitter ça, barrer raison. On t'a dit, c'est la journée que nous croyons que c'est à faire pour nous. Vous comprenez? Parce que depuis l'individu de sauter ça, lui évident, il n'a fait face carré à des mots de toutes sortes, en quelque sorte. Mais nous croyons que c'est en début de tout, lui prêter nos bras à lui, et nous croyons que c'est l'essentiel. Et c'est sur notre temps, et nous saluons en plus, nous comptons là ensemble, on nous continue baladons autour de grandes thématiques, ça, à comprendre le récit des Écritures. Et nous espérons que au même qui était avec nous depuis au début, et on continue avec nous toujours, nous apprécions ça, et c'est à ça les doigts dans que nous, le fait que vous prêtez nos oreilles chaque mardi, en ce sens, en fait. Bien, comme on connaît bien, nous avons le livre de Matthieu, ça a communément été l'évangile selon Matthieu, hein. Et mardi passé, on dit le chapitre 11. OK? Chapitre 11. Et côté grand pile qui choisit qui dit dans le texte, ça. OK? Et spécialement, et ça nous dit la dernière, c'est au fait, c'est mise en phase et le précurseur du Messie, en l'occurrence Jean-Baptiste. Qui est le moment de délabrer, si vous voulez. Et il te fait question, ça, à Seigneur. Mandel, pour moi, est-ce que c'est l'été pour venir? Hein? Ou bien est-ce que nous besoin de temps dans l'autre? Et nous disons que l'essentiel pour nous, Matthieu, ça doit attirer attention. Ce n'est pas objet question. Hein? Mais c'est la préférence pour qui ça, Matthieu, traîner question, ça, là, l'hypothèse, bah, nous, la récit, là. Et ça nous attire attention sur lui. Et nous disons quoi que nous te font bon aller sur lui, pour nous te font raison, écoutez Matthieu, mais non, ensemble, éléments de réponse qui courraient. Et question ça, et pour qui ça? Et idée à TVD. Et puis encore, et malgré ça, Jésus fait éloge de Jean-Baptiste.
Il fait moun yo konen ke parmi tout moun ki fèt de fam, pa gen pi gran pase Jean-Baptiste. Et anpil moun te kabase, bon, sa Jésus fin di ala, se krasi l'krasi Jean-Baptiste, men non. Et il fait l'éloge de Jean-Baptiste, amplement. Et Matthieu montre nous yon quatre figures vraiment intéressantes que nous avons souligné pour Matthieu était égal à lui-même. En sorte que, depuis le début, récit là, mention le fait en récit là, et il toujours qu'un des tempora pour toujours quitter auditoire lio, toujours été connecté dans l'idée de la développer. Parce que l'idée de Matthieu a développé, c'est que c'est renforcer la conviction des Juifs qui étaient quittés le judaïsme, qui viennent convertir au christianisme, qui voulaient abandonner. Et bien, Matthieu apprend et réconforte en ce qui a été pour le faire, qu'on est que, hey, il est dans la bonne voie, réellement vrai, c'est Messia, ce Jésus qui a suivi là, et Matthieu apprend à mener toutes les thèses pouvant conduire, toutes les thèses pouvant conclure que Jésus-Christ est réellement vrai, le Messie qui était promis. Ça fait depuis le début, les Matthieu, ils font ensemble de récital, tel bagage arrivé afin que ça pour fait la tête pour l'accomplir. Sur le pas, j'aime quitter aux étoiles et détacher 11 secondes pour que le pas réitérer ça au fur et à mesure. Et passer dans les chapitres 5, 6, 7, comme nous m'appelons le sermon sur la montagne, quand il fait récit, parole du roi, du Messie en parole. Et puis le verset 7, 8, le Messie en action. Seulement les paroles qui authentifient la messianité de Jésus-Christ. Et Matthieu prend le soin pour ramener des actions qui font authentification également tout la messianité de Jésus-Christ. Une très bonne série, deux types de séries de messages. Alors, miracle. Trois séries de alors, deux séries de miracles. On sait de miracles de guérison et on sait de miracles de guérison. Chaque conseil de trois, et puis appel aux disciples là, que vraiment amplement, et puis Matthieu enchaîné à d'autres façons qu'on doit suivre Jésus-Christ, et les signes exactement qui accompagnent lui, les miracles, et puis on est tombé dans le chapitre 11, qui vient à Jean-Baptiste, moment de upside down, Jean-Baptiste est en vie, et puis appel pour que les mandés nous pour nous suivre. Et dans les versets 10, bien avant, il y a appel aux 12, les voyants en mission, etc. Bref. Non seulement Messie a venu, Messie a parlé, Messie a fait action, et Messie a délégué des pouvoirs aux disciples, que monsieur lui-même doit y aller en mission, miracle fait, c'est pas des comptes à monsieur content, etc., etc. Nous, c'est ça dans le chapitre 10. Et puis le chapitre 11, c'est ça nous dit récemment là. Et le Messie vini, Messie a rejeté, non seulement messager a rejeté, Israël rejeté messager a, Israël rejeté message là, et Messie a dit en personne, Israël rejeté légalement. Ah, c'est vraiment intéressant. Et à Soya, dans le chapitre 12, il est question, si tu es capable, on l'autre sous-titre encore, cette controverse du sabbat. C'est là, nous parlons de mais je dis à là, et c'est lui, c'est le livre d'après l'autre, des chapitres. Chapitre 12, là, il traite un sujet vraiment intéressant. Et ça fait que nous parlons là dans trois fois, Napoya Soya, Matthieu 12, chapitre 1 à 21. OK? Matthieu 12, chapitre 1 à 21. Et nous faisons la donnée, yon, et bien, mais travaille ça, et auteur, ça fait la donnée. Et gagnons un rassemblage en deux grands épisodes. Tout d'abord, premier épisode là, qui est regroupé depuis le verset 1er au verset 8. C'est comme quoi c'est l'affrontement dans le champ. Dans le champ. Dans le champ. Affrontement dans le champ. OK? Affrontement dans le champ. Pardon, seconde. Affrontement dans le champ.
Oui, c'est deux grands épisodes, si nous décalons comme ça. Tout d'abord, dans les versets 1 à 8, c'est une activité, soit un affrontement fait dans le champ. Et dans les versets 9 et 21, son affrontement fait dans le temple. C'est vraiment intéressant. C'est deux affrontements, deux espaces. Okay, tout d'abord, dans le champ. Et puis, c'est une radio combat face à face, à continuer. Dans le temple. Bon, cher, écrivain avec vous. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre. Oh, et comme il est cher déjà, ouais. Ah. Enfin, ça est comme cher déjà. Ok. Et comme cher déjà, avec vous. Je souhaite ne pas faire erreur. Livre pas Écrivain. cher, dit Ok. pas Ah, ok. cher. Non, thank you so much. Ok. Bien. Chapitre 12. Et nous ne pas faire résumé trop long, mais si et seulement si nous t'a manqué, ou même qui connecte avec nous aujourd'hui, on t'a manqué quelques séries, ou mettre retourner back, ben c'est bien étiqueté, okay, pour nous, et bien, tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, parce qu'il va édifier en quelque sorte. Maintenant, c'est pour le chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Share Un faut your titre. screen. Share your screen. It's not share. Is that chair? No. I Oh, have sorry. taken it. Yeah, I'm taking it to Italy. OK. We'll share the alcohol. OK. No problem. OK. Bah, c'est l'album, ouais? Noël? Oui, Liban. Liban. OK. Merci bien. Merci bien. OK. Thank you, brother Sonny, pour le feedback. Parce que je pense que je suis allé parler dans le vide, là, quelque chose. Je pense que le peuple avec moi. OK, bambou, nous, dans Matthieu chapitre 12, le verset 1er. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Tout d'abord, m'a invité nous faire un petit campé là, tout petit. Monsieur Goumba, qui est vraiment intéressant pour nous dans le soulier, là, d'entrée de jeu. En ce temps-là, c'est qui de temps s'agit-il ici? En ce temps-là. Pour ne pas perdre idée, peut-être monde qui t'avait mardi passé, a idée exactement, n'a pas retourné dans le chapitre 11, les deux derniers versets, que moi ouvert pour là, les deux derniers versets, OK? OK. Ici, le grec, Keinotokao, en ce temps-là, oui, c'est Keinotokao que nous jeûnons trois fois dans la texture. OK? Le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et, OK. Le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Keinotokao, je vous donnerai du repos en ce temps-là. Donc, en ce temps-là, contexte que nous avons actualisé, c'est dans un intervalle côté que Matthieu a clôturé, chapitre 10 là, côté que Jésus font offre de salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, le repos dont Jésus a parlé là, ce n'est pas un repos sabbatique. Parce que dans le texte original, là, c'était un repos sabbatique, il a fait en sorte que sabbatismo. Or, cependant, ici, c'est anapasis.
Le repos ici dont il est mentionné, c'est anaparsis et non sabbatismo. D'où, Libral fait belle lorsque Matthieu pour introduire chapitre 12 là, a même suite fait chapitre 11 là. Ok? De retourner dans chapitre 12 avec vous pour décontextualiser en ce temps-là. Comment Matthieu fait jumelage ça en ce temps-là? Qui ça t'est passé? Non. T'es passé avant, et puis pour tout coller à présentement côté de la palière là. Son offre, Jésus automatiquement fait pour le salut, parce que ici, car je suis doux et humble de cœur, non, non, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et je vous donnerai du repos. Le repos dont il est question ici, c'est pas le repos du sabbat. Non, c'est pas le repos du sabbat. Ici, son offre pour le salut. Jésus vient offrir le salut une fois de plus au peuple juif qui rejetait. Pour faire connexion avec premier Matthieu t'a dit en Léa, et le verset 12, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, dans le sabbat, il n'est plus question repos de l'âme, son repos physique de préférence. Peut-être sous pas et mettez le chita, ok? Dans verset 28 là, au moins, verset 29 là, ben non, idée de clair de quoi s'agit-il. Il n'est plus question du repos sabbatisme, mais c'est de préférence anaparsis, qui c'est le repos en ce qui a trait au salut, salut de l'âme, et non sabbatisme. Pour le sabbat. Bref, si ou saisit grâce samedi là, en ce temps-là, lorsque chapitre 12 l'a pas introduit avec côté nous, il tado, il assuré là, nous croyons que ou pas bien trop en bâge pour embarquer avec nous. En aller. OK. Le verset premier. Désolé. Attendez, c'est pour ça, vous voulez? OK. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé le jour du sabbat. Vous pensez actualiser en ce temps-là, nous plus ou moins idée, qui temps, qui moment, c'est le moment que Jésus fait l'offre du salut aux Juifs. OK? Et que dans l'esprit juif, il y a une confusion, il y a une confondre l'offre de ce repos qui est le salut et le repos du sabbat. Suivez-moi attentivement pour ne pas perdre avec nous. So, dans l'esprit, monsieur, yo, comme c'est le sabbat qui sont éléments courants pour yo, idée repos du salut dont Jésus parle, n'est pas son ébillé dans les oreilles. Il n'est pas bienvenu tout d'ailleurs. Donc, en ce temps-là, Jésus traversa des champs, des blés, un jour du sabbat. Est-ce que c'est pour la première fois Jésus a traversé champs blés? Je ne sais pas trop. Mais Matthieu prend uniquement ça qui intéresse pour toujours continuer à faire connexion pour nous. Et ça m'a fait nous suivre le texte Matthieu attentivement. Pourquoi c'est pas pour une fois que j'ai passé dans la chambre? Pourquoi c'est pas pour une fois que mouvement ça vous fait? Mais ça, Matthieu attire attention sur lui et l'intérêt pour attention nous attirer sur lui en quelque sorte. OK. En ce temps-là, nous allons actualiser. Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Qui moment? Jour sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat.
Il faut comprendre verset 2. Hein? Parce que c'est le début du verset 3, causé ou pas commencer. Parce que Jésus pas fait lumière. On a dit, qu'est-ce que nous devant nous là? Son mouvement qui a passé dans les champs. OK? Et d'ailleurs, on est ceci, nous dit que le segment, ça n'a pas pour le cap, ça n'a pas pour rien. Dans Matthieu 12, verset 1 à 21, nous avons deux épisodes qui ont déroulé dans deux endroits différents. Tout d'abord, le premier épisode l'a déroulé dans les champs. Et puis, automatiquement, événement, feuilleton, les champs finis. Deuxième épisode a continué dans la synagogue. Et tu as même droit sublime. OK. Maintenant, nous dans les champs. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Yo a marché à Jésus. Monsieur font travail qui n'est pas à ton problème. Et sur le grand boulot encore, il a passé dans le champ, il a tout profité à glaner. Ça a été glané, il a pris un épi, il a tout foutu dans le et puis tout foutu dans la bouche pendant le jour sabbat pour manger pendant la route, pour touiller quelques velles en bas, en quelque sorte. Attaché avec l'idée de la loi à l'au niveau dépasser les bols, oui, madame Fébina, salut, nous salut, nous avons une bonne. Oui, j'ai la joie. Ah oui, font-ils appeler, mais non, appelle la monsieur, moi, l'étant prochaine. Oui, il faut en tout cas. D'où, monsieur qui tellement était très méticuleux à la loi, au sabbat, monsieur fait break à Jésus, dans le champ. Et quand monsieur a envie, mais il fait un affrontement physique à Jésus. Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mon connaît, comme disait l'autre, malheur à ceux-là qui ne connaît pas et qui prétendent que le connaît. Tenez, répond Jésus, pour eux. Samedi, à la semaine, pas gagné, pour me dire. Mais Jésus leur répondit, verset 3, mais côté, et râler avant de commencer. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ici, face à question, ça, pharisiens posé Jésus, hein, nous relevons pour là quatre éléments de réponse et en conclusion. Question faite à Jésus dans le verset 2, et Jésus commence à répondre dans le verset 3. Jésus proposait quatre éléments de réponse que nous allons laisser roi avoir soya. Et une conclusion finale. On a dit. Premier élément de réponse là, nous souligner ça que Jésus t'a voulu faire relater, la supériorité, ce qu'on appelle de la préservation de la vie face au légalisme. C'est comme ça. La préservation de la vie vaut plus que l'égalisme, monsieur. En un mot, monsieur, nos grands goûts, nous par contre, depuis qu'il est au grand goût, la fête est catouillée. Face à tempo légalisme, nous-mêmes qui dit nous connaissons la loi, nous-mêmes qui dit nous comprenons ça, sabayé, nous-mêmes qui dit nous comprenons ça lié. Ah, nous pensons que Monsieur Tadoué était mort face au système légaliste que nous avons pour nous aimer. Mais nous ne pas connaître qui ça David t'a fait pendant que nous avons pour nous respecter légalisme ça, pendant que nous avons pour nous aimer protocole ça, pendant que nous disons qu'on a la loi, monsieur. Jésus a parlé là. Mais nous ne pas connaître ça David t'a fait. C'est important, hein? Je ne sais pas si vous-même tout le monde a été fait. Je m'appelle Vito.
Nous pourrons tourner dans l'Ancien Testament. Nous pourrons faire un coup d'œil dans 1 Samuel. Si nous avons une Bible et version papier, nous allons taper intéressant, oui. Pour ne pas débloquer côté Mia. On va aller, on arrive. Samuel, chapitre 21. On a regardé pour nous, hein, qui problème Jésus a traité à monsieur. Verse 1 Samuel 21, verset 1 Samuel 21, ouais. OK. Verset 1 à 6. On a bien. Et je suis comme là, je vais juste lire pour vous. OK. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, ou bien Achimélec. Nous posons le demain, Achimélec ou Achimélec. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Qui sort bien sous la main là? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouverait. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire, bon, soulier le pour. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes, alors que si monsieur Patalan couche à madame, monsieur Patalan fait sexe, monsieur Patalan fait bagarre, réponse David là, vraiment intéressant toujours. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes, verset 5, David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont purs. Allez, depuis 3 jours dans la rue, pas grave. Pas grave, fille là. Et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Bon, David dit, bon, même si t'as un baraka, t'as normal tout, je dis là tout baraka, ok. Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs, ça, ok. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel. Sacrificateur a dit David, nous pas gagné l'autre pain là, non? C'est pain de proposition, hein? Pain qui était consacré pour sauver le sacrificateur ensemble avec lui. Nous sommes là dans 1 Samuel, 1 Samuel 21, verset 1 à 6. On est à Antonin côté noté en fait. J'ai dit, monsieur, pourquoi? Vous pensez que nous sommes contre la loi? Hein? Pendant que nous faisons défense, légalisme, nous, bon, tout profiter de nous dire ça aujourd'hui. Hein? La préservation de la vie est plus forte que le légalisme. Quand il s'agit de questions de la vie, mes amis, mettez questions formales de côté. Mettez deux questions principales là de côté. Mettez deux questions en protocole là pour me souple de côté. La préservation de la vie est beaucoup plus précieuse que le légalisme, monsieur. C'est ça, Jésus-Christ voulait rentrer devant, monsieur. Pharisiens. Parce que, pendant que nous disons qu'on a droit,
parce que monsieur lui a mangé pendant le jour sabbat. Ça a étonné nous. Ah, mais si nous prenons la loi, nous ne pas contre ça, David t'es fait. Ou contre ça, c'est que dans toute série de réponses Jésus-Christ par là, ou pour aller Jésus-Christ fait recours à la Bible. Jésus-Christ fait recours à l'Ancien Testament. Lui fait recours aux Saintes Écritures. Et pas comme si on parlait du divin, que là, non, ça l'a dit, mes côtés au sorti. OK? Premier élément de réponse là, nous titre le consacre. Préservation de la vie, les plus précieux, les au-dessus du légalisme. Parce que M. Salah, là, c'est protocole lié, c'est légalisme lié. Pendant que nous avons dit nous prenons la loi, monsieur, nous c'est nous t'es la loi. Nous parlons de ce que fait David. C'est intéressant, hein? Et comme quoi, son calotte m'a ça, oui, nous sommes liés pour. N'avez-vous pas lu ce que fit David, monsieur? Pendant que nous avons mis la collecte, monsieur, pendant que nous avons persuadé que vous transgressé ça, sabbat, vous violé la loi, et pendant que nous voulons mettre la loi sous tête, nous ne connaissons pas ce que ça fait. Comment David a agi? C'est le premier élément de réponse que Jésus bat la question, ça. Qui question liée? Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Amen. Deuxième élément de réponse, nous parlons dans le verset 5. Du verset 4 là, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Protocole là, légaliste là, c'est sacrificateur seulement pour manger. Mais j'aime dire, devant la préservation de la vie, devant mettre la vie en évidence, non, légaliste, pas campé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça Jésus-Christ là. Et on parle ouais, des détails beaucoup plus intéressants toujours. Deuxième élément de réponse, Jésus parle là, nous joignons dans le verset 5. Le verset 7 nous dit ainsi, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, wow, ça sont calotes, ça. Bon, mettez-le en soubliant ça. Bon, longtemps pas, qui était dans le mouvement adventiste longtemps, et puis des débats adventistes longtemps. Attendez. Le verset 5, deuxième élément de réponse, Jésus prend le bail à monsieur. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable. Et bien, les attendez, bien, ça me dit là. Quand il s'agit de faire le service de Dieu, la violation du sabbat ne nous rend en aucunement coupable de rien. S'il s'agit de faire travail, bon Dieu, violer jour sabbat par un, aucun monde coupable quand il s'agit de faire travail, bon Dieu. Maman, si vous avez mis sur ouais, texte qui développé là. Et moi, je vais nos textes de base. Qui texte Jésus-Christ récité là, pendant la parole à monsieur là? Oui, tout d'abord, dans le premier élément de réponse en verset 4 là, il dit, monsieur, n'avez-vous pas lu? Monsieur, est-ce que nous pas lu ça? Ou là, premier élément de réponse là. Dans le verset 5, deuxième élément de réponse là, toujours. Oh. N'avez-vous pas lu encore, monsieur, dans la loi, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple. Eh bien, les amants de vol. Nous avons ça, pendant le jour sabbat, yo, sacrificateur fait travail. Et la loi par un coupable. Et ces mêmes sentiments, ça,
Jésus pas traité monsieur puis devant hypocrite. Pourquoi dans le texte arrivé? Qui est-ce que nous si nous gagne bête nous tomber dans puits dans jour ça ban pour prendre. Qu'on a nous manifester intérêt pour les animaux. Je comprends l'intérêt parce que les animaux, les nous finissons agresser, nous va le vendre. Et qu'on va nous mettre priorité les animaux plus sur la vie moun. D'où le principe de la préservation de la vie. Lui surpasser toute forme de légalisme. Déjà on a le nom chapitre 28. Pour nous côté Jésus-Christ. Texte ou lila, côté nous jouons un texte Jésus-Christ par lila. Qui côté sacrificateur te joue la loi? Sur mon frère, pour étape, je ne sais pas comment ça, non? Comment on a un frère pour dire? On a le nombre. Je dis là, tout texte nous parle là, il parle vous et nous dans l'ancien texte qui est dans le passé. Nombre. OK. Nombre, chapitre 28. On a les. On me faut ouvrir le bout. OK. OK. Nombre chapitre 28, les versets 8, 9 et 10. Mais pour me saisir le contexte, ça, m'appeler dans. Et là, nombre 8, mais là. Nombre 28, ouais. OK. OK. Allez. Verset. OK, bon, le verset 3. OK. Et pour Jésus, contexte ça, bon, le rapide. Tu leur diras, voici le sacrifice. Non, verset 3. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrez à l'Éternel. Chaque jour, deux agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Verset 4. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'épha de fleur de farine, pétri dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. Verset 6. On commence à prêter attention à nous. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 7. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Verset 8. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs et avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez le jour du sabbat, nous et toute palme d'affaires là, les pas de question de peuple. Hein? C'est souvent un sacrificateur qui est pour loi offrir tout bagage à eux. Alors, tout bagage qui t'a offert en l'air là, c'est pas yon quiconque monde qui t'a fait. C'est sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Le verset 9 qui nous intéresse et le verset 10. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut. Et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel à la libation. Le jour du sabbat n'a pour fruit annuel d'un an sans défaut et pour l'offrande du dixième de fleur de farine n'a pétri, n'a fait son travail lui. OK? N'a fait mon bon travail, d'où? Pour nos fruits. D'où? Quand, et ça veut dire, quand il s'agit de faire travail pour bon Dieu, pour le service du peuple, la violation du sabbat par un souverain sacrificateur coupable de rien. Or, il paraît que ces messieurs-là qui se disent docteurs de la loi, ils n'ont pas compris à ça. Parce que c'est qu'on y a Jésus dit, est-ce que nous parlons dans la loi Moïse là que sacrificateur yo violé sabbat, ça ou pas coupable pour ça? Nous, à côté texte qui parle dans Matthieu 12 là, sorti. Et sous continuant, notez-le, nous l'avons Nombre chapitre 28 là. OK. On tourne dans le texte de référence, nous, qui est dans Matthieu 12.
Matthieu 12. OK. OK. nous avons un deuxième élément de réponse là, le verset 5, qui est le deuxième élément de réponse là. Côté Jésus dit, monsieur, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple? Et même saute libre pour là. Jour sabbat, monsieur, t'es pour le devoir, prendre des farines, pétrili, touye holocaustio, présenter, accompagner le délibation, etc. Le jour du sabbat, yo devez faire. Entendez bien, oui? Les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Non, mais l'exemple, souligner ça, m'a souligné pour vous. OK? M'a souligné pour vous. OK? Mais ça me souligne. Oh, sorry, sorry, sorry. Mais ça me souligne là pour vous. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? D'où cette notion, quand il s'agit de faire les services de Dieu pour le peuple, au bénéfice du peuple, la violation du sabbat parane nous coupables de rien. D'où l'idée de Zintalea, quand il s'agit de la préservation de la vie, pas rien campé sous tête lui. La légalisme pas surplanter la préservation de la vie. Parce que presque, bon monopole m'a pris, par exemple, et on voit exemple directeur. Pé ça, c'est pé la saignée. Ah, m'a demandé si pasteur Job, après de m'la. Est-ce que moi, en après de m'la, bon, de son, en après de et pasteur Grégoire, tout dit, en après de pé ça, t'es qu'étant dédié pour. Et vous avez fait li pour peindre la scène. Ouais. Et puis, vous avez passé là, li presque aïk, là, presque mourir. Vous avez besoin de bouton bagaille pour vous. Li pas rendre des souffles. La scène de matin. Vous avez quitté la scène, vous avez là. Pour ne pas la scène demain. Pour ne pas sauver la vie. Quand il y a de la préservation de la vie, l'égalisme n'a pas priorité. Avec mon javel noir. Et leader qui a répondu à ce que ça veut. Quand il s'agit de sauver la vie, même Jean David t'a manqué mourir à monsieur Lio. Pété interdit pour moun, pour qui moun t'a manqué. Ça veut dire que David mangeait à tout monsieur Lio, le pagan. Bon Dieu, pas condamné David. David pas fait rien mal. Pour qui ça? Et pas des autres là, fait non. Il était question la préservation de la vie. Notez ça pour moi, s'il vous plaît. Quand il est question de la préservation de la vie, pour sauver la vie, mettez tout formalisme, légalisme de côté. Ebenezer, les leaders d'Ebenezer, Pénasenio. Mes amis, après le dépasser là, au moins 36 visites là. Il vient de la scène là. Del mousso pain, etc. Et qui a tout mauvais. Et mes principes la bandit. Casser le badi. Parce qu'il est question de la préservation de la vie. Quand il y a de préservation de la vie, système légal dit pas qu'à camper devant ça. Et on parle ouais puis devant. Je suis prêt à dire, monsieur, monsieur, nous t'en nous comprendre, les mots, dis-nous. On prend plaisir dans la miséricorde. Alléluia. Dans la miséricorde que sacrifice. On avance, nous. On avance. Deuxième élément de réponse, j'ai dû barrer sur ça, et l'an verset 5, l'an juin. Même pas si j'ai manqué, monsieur, des gars là. Bon, tu manques des gars là, vous souvenez? C'est des gars, il manque des gars. On tire rentré dans ces mètres 50, monsieur, moun qui rentre du football, comme ça me dit là. Est-ce qu'on n'a pas lu dans la. Parce que. Tu as la loi de monsieur. Nous, c'est les pharisiens. La loi t'a donné, mais non. La loi t'a donné, si tu as la déplacée, mais non.
Mais est-ce que nous pas lit Satan t'a fait? Est-ce que nous pas lit que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Votre ça, monsieur. Et puis, troisième élément de réponse, hein, et dans le verset 6. Ah oui, du verset 6, ça stipule ainsi. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Ici, dans l'original grec, l'idée qui développe là, ce n'est pas quelque chose, non? Il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Par contre, pour quelle raison? Est-ce que tu as pris le temps de vérifier, est-ce que comment Scofield dit, ni l'autre monsieur, est-ce que c'est quelque chose, je dis? Bon, moi, très rapidement, mon second, bon, moi, ce mur. Moi, qui verset, ok, le verset 6. Moi, qui s'assume, là, dit très rapidement. Verset 6. Je vous le dis, il y a ici. Ok, ouais. Ici, semeur, ouais, comment semeur traduit? Bon, vous verrez pour nous. Semeur dit, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Vous voyez l'idée? Dans l'original, le texte original, dit parfaitement mention de choses. D'ailleurs, on d'accord avec une nette différence lorsque me dit, oh, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Et ça fait nos leaders qui là, les moniteurs, toujours conseiller nous, pas rester figé dans une seule version de la Bible. Nous pas besoin d'aide, nous besoin d'effeter. Parce que c'est l'idée originale à me songer qui fait que moi, lorsque Luc second ça dit, il y a ici quelque chose, tant déjà, Luc second ça dit, je vous le dis, ok? Je vous le dis, il y a ici quelque chose beaucoup plus grand que le temple. Non, là, il trahit l'idée originale. Je vous le dis, il y a ici quelque chose. Non, non. Gardez version, semeur, bah nous est à l'heure. Gardez pour eux. Semeur dit lui-même, ok, bah me souligne pour nous, car oui. Semeur dit, ok, ici. Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. On a regardé, on l'a dit sur pour nous, est-ce que qui ça l'a dit en allant semer, non, lui second 21. Ça m'a toujours aimé. Hein? Ok, ouais. Ouais. Lui second ancien dit il y a ici plus que chose. Tenez ça, lui second, qu'on a dit. Je vous, ouais. Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Ça est corrigé. 20 versions, ça est version du second lit. Sous-garde avec moi, garde écran là, ok? Maintenant, 8 secondes. Ok, regarde, côté, je vais mettre curseur là, ok? Maintenant, 8 secondes 21. Ça, c'est ancien du second. Hein. Ça, c'est nouveau, le second 21, qui fait réviser, qui corriger, et me pense qui est plus rapproché de l'original là. Or, Jésus, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Des pour mettre nous garder les sur nous satisfait oui. Bon, ça bon net. Ça bon net et ça m'a cherché. Or, il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Amen. Là, l'église, rendez-moi fou sage. Mon jeune t'a cherché. Dame dit un texte original là mais ça le dit. Etc. Là, Jésus peut faire allusion tête. Et si vous voulez retourner sous l'idée de Matthieu, ce n'est pas pour ça que Matthieu répétait parole ça. Parce que pas Matthieu dans la perspective, c'est prouver nous la messianité de Jésus-Christ. Or, quand monsieur juste ça, c'est la loyauté, c'est temple, ça n'est pas dans ces collaborations. Jésus compte ça. Eh bien, Jésus dit, monsieur, oh, troisième élément de réponse là. Nous définissons le premier, hein? OK? Côté que, ça souvient sacrificateur, il a roulé la loi, mais il n'est pas coupable. Parce qu'il est question de faire le service de Dieu, d'au moins dire que la préservation de la vie vaut mieux que le légalisme. OK. Troisième élément de réponse là, c'est le verset 6. Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Pas oublier Israël,
Il aurait été dans l'attente. Dans l'attente, le Messie qui doit venir. Dans l'attente, c'est la cadre achetée dans le temple. Dans l'attente, mettre temple. Et est-ce qu'on ne peut pas faire le texte en Malachi 3, verset 1er? Ouh, je vais lever ce texte en pile. Je vais libérer que je vais retourner là encore. Je vais faire un bail dans Malachi 3. Malachi 3, verset 1er. L'homme dit-nous que. C'est la bambaka des encore. Oh là là là. Ok. Malachi 3, verset 1. Ok. Bab, ça pour. Voici, je m'en vais. Voici, je m'en vais envoyer mon messager et il veut. Comment vous ça comme ça? Voici, je m'en vais envoyer mon messager. Non, vous avez remarqué, oui. Vous avez mon rôle à main, là. Voici, je m'en vais envoyer mon messager. Ok. Et il préparera la voie devant moi. Et continue. Ok, version là. Il y a une version bon. Moi, c'était en bas, ça. Ok. Version bon, ça. Version tout. Et il préparera. Bon, 2 secondes, normal, là, mon bail. Bien sûr, calme là. OK. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple l'Église. Eh bien, les amis, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain, comme souligner le bout, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Prophétie parlait que Guéon Silla qui pousse dans le temple. Ouais. Et comme vous avez dit, Jésus a dit, monsieur, nous étions à contempler le temple, hein? Nous étions à regarder le temple, hein? Nous étions à idolâtrer le temple, monsieur, pendant, Silla qui gagne honneur de temple, mais le temple est devant là. Et ça fait dit là, oui. Il y a quelqu'un ici qui est plus grand que le temple. Alléluia. C'est ça d'appeler tout à l'heure là, oui. Il y a quelqu'un ici qui est plus grand que le temple. Pourquoi ça gêne de regarder le temple, 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 temple. Et puis, nous n'avons pas quitté genoux sous moi. OK? Or, je vous dis ici, il y a quelqu'un qui est plus grand que le temple. Jésus a parlé à monsieur, même devant nous là, si la doué entrer dans le temple, hein, et nous connaissons le prophétie à fait sous lui, ça est pour faire, bon, mais devant nous là, mais nous avons quant à moi avec nous. Eh bien, je dis à là, grand monde qui est plus grand que le temple là. Alléluia. Troisième élément de réponse, OK? J'en ai fait plaidoirie, prosterner, etc., etc., devant le temple. Nous avons toute révérence, etc. Ah ben, il y a un monde qui est plus grand que le temple. En un mot, nous étions connectés dans l'ombre des choses à venir. Oh, mais réalité à devant là. Nous étions dans le sabbat, nous étions dans le temple. Nous étions dans ce là. Bon, mais réalité à devant là. Moun ki pi important, mais devant là. Bon, pour diable, nous ne pouvons pas connaître. C'est ça, les gens disent, monsieur là. Ouh! Bon, je vais dans la version du second, parce que, où elle est? Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que ça. Traduction ça, bon, original la propre. Or, cependant, du second, hein, il n'y a pas bon, original, j'ai besoin là. Et ça va être obligé, font vivre là avec. OK? Le second, ça nous habitue à utiliser, mais ça va moins. OK? Or, je vous dis, il y a ici quelque chose. Non, pas comme ça, le second. Le second, pas comme ça. Pas comme ça. Bon, mon Dieu fait que nous te continuons des deux originales là. Non, pas comme ça, le second. Il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temps. OK?
Et troisième élément de réponse. Et puis, nous parlons du quatrième élément de réponse là, qui pourra terminer en conclusion finale, Jésus Barbet, pour nous taper dans le deuxième épisode là, 8h32. Ok, je suis le pas barré. Le verset 6. Si vous saviez ce que signifie, même mot qui m'a mon réflexion, que me t'a ramené Ebenezer. Ebenezer réfléchit avec la soya. Toujours à question qui te pose en Léa, parce que disciple Jésus a mangé, a glané des grains de blé pendant le jour sabbat, mais si on fait un face à face, mais si on fait un face carrière à Jésus, dans le champ. Et Jésus bat quatre éléments de réponse. Nous avons premier élément de réponse dans le verset 3, deuxième élément de réponse dans le verset 5, troisième élément de réponse dans le verset 6. OK? Premier élément de réponse, nous te dit que Jésus a fait prévaloir la préservation de la vie sur le légalisme. Deuxième élément de réponse, il est question de quand il s'agit de faire les services de Dieu, les sacrificateurs violent le sabbat, le parrain ne coupe pas point, ainsi. Troisième élément de réponse de verset 6, il y a un grand monde là qui est plus grand qui est en plein. Il dit, monsieur, hé, hey, monsieur, calmez-nous, monsieur. Pendant la pile là, nous campons devant un monde qui est plus important qui est en plein. Pour diable, je n'ai pas bouché, non? Je n'ai pas clé assez pour t'avouer ça. Et puis, quatrième élément de réponse dans le verset 7, qui pousse ma réflexion, c'est que ça dit, si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Gros mot pareil, on peut nous tendre déjà dans l'Ancien Testament. Pas à nous confondre. C'est lorsque l'Éternel dit, Samuel, dit David, l'Éternel dit Samuel, dit Saül pour lui, lui prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes lorsque Saül t'a fait erreur, etc., etc., il dit que le prêtre fait sacrifice à l'Éternel, il dit non, moi je prends plaisir dans l'obéissance et non au sacrifice. Ici, ce n'est pas obéissance, je prends plaisir à la miséricorde. Bon Dieu, identifié comme étant un Dieu miséricordieux. Qui t'a donné un reflet la caille, tout le monde qui dit, nous c'est serviteur bon Dieu. Mais en pile fois, nous faisons un switch, un échange de place. Nous faisons sacrifice là, passer dans la place miséricorde. Parce que, il y a des gens qui m'ont regardé moi-même. Pour sacrifice, pour ça, on fait pour eux. Ponctuel dans l'activité de l'église, yo. Yo toujours au rendez-vous. Yo pas jamais raté sur ce programme. Si a prêché yo toujours on à l'heure. Si a dirigé yo toujours à l'heure. Si a fait lecture toujours présent. Si a fait études bibliques toujours présent. Si a fait école dominicale toujours présent. Si a fait cotisation toujours prêt pour collaborer, pour être comme, etc. Yo toujours présent. Mais la vie moun sa yo. La vie moun sa yo à l'évangile. De via ces deux barres différentes. Deux barres différentes. L'Éternel Dieu voulait pour chrétiens, yo, pour ne pas nous faire corvée, mais pour un bon cœur qui est miséricordieux. Pour un bon cœur, les mouns n'ont besoin d'assistance. Les mouns besoin de nous. Lorsque parole bon Dieu, à œuvrer en côté pour nous. Pour nous faire la pratique des choses. La pratique des choses. Et non sacrifice, la pratique des choses. Gardez-vous qu'on est. En ce cas, c'est pour travail, mon Dieu. Il a perdu tête pour faire lui. Mais en ce cas, il y a obéissance à la parole de Dieu. Jean, bon Dieu, m'a dépourvu. Mon ça, c'est la journée, la nuit. Le jour et la nuit. Or, c'est même connexion ça. N'invite-toi à connecter ensemble.
Sous ces sacrifices ou les faits, on va passer hors de la plaque. On va passer hors de l'objectif là. Mais c'est dans la miséricorde pour Dieu besoin. C'est dans l'obéissance pour Dieu besoin et nos sacrifices. Si vous saviez, sous terre qu'on est, qui ça, ça veut dire? Ça signifie pour moi. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Nous aimons bourrer que trop, nous aimons faire sacrifice trop. Nous aimons bourrer, encore, nous aimons bourrer que trop. Et non bourrer que ya. Et laisse à mon appui, oui. Ah, ou pas comme ça. Ah, bon, tout ça, soyez. Ça fait, en pile, mon église a choisi pour faire sacrifice, c'est parce que mon appui. Mais obéissance, mon appui. Gon cœur miséricorde, moun pa pouwe. De se vle nou de moun ouwe nou. Oh, passe, oh, pa moun ki moun depose moun yo, mge mache moun avanse, pou mache moun, depose moun depose. Oh, nan ke passe yo. Se te avle lèk zavanse, se te avle lèk zavanse la, e pou ta vaste, sou te konen. Sou te konen. L'exemple de la position, oh, l'exemple de la chauffe-place, oh, mais ok, m'gétonne. C'est votre ça, c'est vitesse ça. Il t'a amené l'église à avancer, oui. Attention. Allez à la prendre, qui ça veut dire? Moi, prends plaisir à la miséricorde. Moi, prends plaisir dans l'obéissance et non au sacrifice. Et puis le verset 8, pour que Jésus pral signé, authentifié, scellé, pour m'a dit conclué, ça l'a dit là. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ici le grec, c'est koukou koulios. Koulios. Le terme koulios veut dire Seigneur. En vrai, ça, le second était maître. Mais c'est le koulios qui est ici. Le Fils de l'homme est le koulios du sabbat. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Le Fils de l'homme n'est pas le serviteur du sabbat, mais il est le Seigneur du sabbat. D'où Jésus souligné, Jésus a conclu. Conclu. Mettez point sur IA. OK? Certifié. Attention, hein? Le Fils de l'homme. Il n'est pas serviteur sabbat. Mais il est le koulios du sabbat. Il est le Seigneur du sabbat. Jésus vient pour servir le Père, pour le mener nous, Bali, pour le faire de nous des serviteurs, pour nous servir. Mais nous pas serviteurs du sabbat. Le verset de Jean Douli là. Le Fils de l'homme, il est le koulios du sabbat. Seigneur du sabbat. Comme dit nous, dès deux grands épisodes, tout d'abord, épisode 1, verset 1er au verset 8, et pour épisode 1, li déroulé dans les champs, et nous avons épisode 2, verset 9 à verset 21, qui pourra dérouler lui-même dans le synagogue, dans le temps. Vous voyez? On a l'île. Au verset 4, oh, 8 à 41, pour entrer dans la maison, ok. Le verset 9, ok, nous parlons du deuxième épisode, n'a pas le déroulé. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Okay? Épisode 1 fini. Dans le champ, dans l'enragé, Jésus finit de casser mettre la main, pas casser la main, non, mettre précision sur eux. Bon, me dire comme ça, plutôt. La sœur dit, monsieur, je pense que c'est une la loi. Hein? Sous tes comptes dans la loi, ou t'as compte ça, David, t'es fait. Je pense que c'est une la loi. Sous tes comptes dans la loi, ou t'as connu sous les sacrificateurs, ils ont vu le sabbat matin et soir. Sous des condamnés, on t'a connu tel bâtiment. Sous des condamnés, etc. Et ça me dit mettre précision sur là. Attention, ou pense au condamnés, ou regardez pourquoi j'aime lui. Alors, attendez. Et comme on dit,
Oh! Comme ça, tu as un barbier. Serviteur, bonjour. Et puis, come on! Come on! Hey! Maintenant, deuxième épisode, ça va aller dans le synagogue. On allait dans la synagogue. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Maintenant, on tire plus rapide. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de ça? Toujours quoi, des mesdames. Des mesdames, mesdames, on parle toujours. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez, il y a des mesdames là. C'est pas guérison, non? Et comme même j'ai dit, il y a un chachon moun na au ballon 1000 goud. Je vous le dis là, oui. Propose au kokobé. Et puis, non, non, non. Au ballon 1000 goud, venez de venir marier Jésus-Christ là. Je vais prendre selon piège. Venez. On vient dans la synagogue, on a même. Bon, 1000 gouttes, ça vient dans la synagogue. Et puis, pour accuser Jésus, mesdames, m'en parlant. Et ça veut dire là, et papa, hein, non? Et les pharisiens, oui. C'est papa et les pharisiens, oui. Ils demandaient à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 11. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Qui est-ce là, nous, dans une dague, on mouton, nous? Vous voyez? Ce n'est pas tout côté dans la Bible là. Il parle de berger. Il est question de bon berger, non? Ici, les pharisiens, ce sont des bergers, oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des monde sous contrôle. Et Jésus baille pour ça même, c'est pour lui rentrer dans le sentiment. Yo. Le pourquoi? Parce que nous pas care pour moun. Moun met pas ses misères, moun met malade, yo pas care pour guérir son père pour yo. Mais là, nous avons brebis, nous ici, brebis qui là, pas vous ton brebis, enfant de Dieu, non, brebis bête même. Parce que le pourquoi? Les brebis ont commencé gras, nous vendons, yo. Nous avons fait l'argent sur yo. D'où c'est l'argent qui intéresse. Ce n'est pas au cœur qui miséricorde vrai. Est-ce que vous avez? Donc, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, qui est-ce que nous là? Si nous avons un mouton, il tombe long puis, joue ça va, nous ne pouvons pas le prendre. Pour qui ça? Parce que mouton, c'est la toute richesse nous y est. Nous avons pour nous faire 10 000 gouttes. Nous qu'à vendre pour nous rendre au bagage, mais cependant, moun met malade, moun met amour, nous pas kéléo, parce que c'est pas cœur miséricorde Dieu que nous gagnons, et sous coquin nous y est. Et ça, oui, je dis là. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisisse pour l'en retirer? Combien un homme, ok, combien d'hommes ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Ici, ce sont des bergers négriers, des mauvais bergers. Ils ont priorisé en engraissant les bêtes, donc, en engraissant les cabrites. Ça fait qui met dans le monde. On n'est pas intéressé. Mais les bêtes, nous avons vendu, nous avons accroché, nous avons rendu l'argent sur eux. Ils ont dit, combien, verset 12, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'un brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. La paix, mère de le monde. Et ça, moi, je dis là, oui. Et pas moi, je dis non. C'est une autre qui me dit, mais regardez le monde là. Revenez là. Revenez là, revenez là. OK. Combien, OK, verset 12. Mais, bon, je suis ça pour Jésus-Christ. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Regardez le monde. Alors, il dit à l'homme, attendez, oui, tout le temps nous paraît très intelligent, Jésus-Christ là. Il dit à l'homme, étends ta main. Il, négla, étendit, et elle devint saine. Jésus pas touché, là? Nous, je suis intelligent. Bon, fais-nous un encore. Jésus dit, monsieur, il a donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Verset 13. Alors, il dit à l'homme, étends ta main.
Texte a dit, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Jésus pas m'a aimé, non? Parce que s'il te m'a aimé, on tape tout mettre sous lui là. Jésus qu'on aimait d'abord, Jésus qu'on aimait Dieu. Et verset 14, les pharisiens, et pas moun pa aimé, non? Moun la Bible, les pharisiens. Verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Ça, Jésus fait n'est là. Aïe. Parce qu'il mettait business sur Dieu. Réellement vrai, les gens ont cochon qui tombent dans la puits, les gens ont brebis qui tombent dans la puits, les gens ont mouton qui tombent dans la puits, juste en bas, ils le prennent. Mais cependant, on malheur pour que je gêne la guérison, ils ont seulement le pape guéri lui-même. Il dit que est-ce que entre moun a bête, qui ça vaut plus important? Ah, mais ok. Nous ne pouvons pas répondre à ça, même pas nous répondre à ça. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devait saine comme l'autre. Verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Je dis à M. Dene Kap dit, si vous connaissez nos bagailles, le sang de Jésus, nous ne pouvons pas mourir, nous ne pouvons pas tomber, nous sommes des balades telle zone, nous passons dans le nom de Jésus. Ok, ça, vous causez. Mais Jésus l'ayant su, Jésus l'ayant connu que les gars consultés pour tout s'éloigner de ce lieu. Jésus éloigné dans lui, ça parce qu'on connaît l'aile pour trop arriver. L'éloigner dans lui. Et même si l'aile pour trop arriver encore, il était qu'à camper, dit tout monsieur, camper, et bien il n'est pas mal. Il y a pouvoir pour ça. Et bien le texte a dit, Jésus pas résiste dans lui, Jésus allez. Nous-mêmes, amis, Haïti captant de nous, dans la petite zone, Mouche pour le boucané. Nous avons qu'est-ce pour le boucané? Et pour le boucané, telle zone, il dit pas passé, pas dit, mais j'ai réveil. C'est dans la canne, s'il vous plaît. Tenez pas propose la Bible à Brano au nom de Jésus, s'il vous plaît. Calmez-nous. Telle zone, kafoua ou pas, on sonne de nos doigts, il dit nous pas sorti, il y a kidnappé le monde. Calmez-nous. Pas de mettre au nom de Jésus, papa. Relax, calmez-nous. Calmez-nous. OK? Mais Jésus connaît des complots. Jésus connaît des manigances. Il s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Verset 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Jésus, oui, il n'a pas contesté, il n'a pas plangomé, il n'a pas plantricode. Il ne cria point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'a pas fait. Il n'atteindra point les lumignons qui fument. Il n'a pas éteint, ça sera plus beau, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espérons en lui. Je vais oublier de faire ça rapide parce que je finis. Je ne vais pas vous parler encore. Ici, n'appropé. Ouf! Waouh! Et mon Dieu, bénis-nous. Bon, je suis dit que tu as 8h50. Je vais vous tout coûte sans pas faire conclusion même. Parce que je vais vous parler trop parce que je vais vous long la même à soya. Même si je vais finir la verset 21 comme était prévu. Et puis, mardi, si je vais continuer la verset 22a. Et à la fin, en fait. Par contre, c'est bon de sonner avec nous. Bon de sonner sur la fin aussi, pour nous connaître si il y a monde sur live là. Et pour nous mettre à Pasteur Job avec nous. OK? Bon de sonner, saluer quelques monde qui est avec Nous nous là, sur oui, live. n'a regardé moi qui monte ça, qui là. Bon saluer, nous saluer sur Anne, bon Dieu, nous sur Anne, bon de gaz, son bon bœuf. Nous bénissons bon de gaz à toute famille. Hein? Et nous saluons John. Yeah, bonjour, monsieur. Monsieur qui sent la guerre, monde qui prend plaisir dans le sacrifice, est-ce que ça pas presque mettez au un chemin idolâtrie? Oui, Souka dit comme ça, parce que lui mauvais, Souka est idolâtrie. Et Souka mettez le fond ça, Mbap dit non, Mbap dit non. Parce que l'idée sacrifice, et... oui, d'accord, sœur Christa. Il est mauvais. Il est mauvais. Et sœur Woodline n'apporte, bon Dieu bénisse son nom, bon Dieu bénisse nous abondamment. Et n'a profité de saluer Pasteur Job ainsi que Madame Ni.
nos amis, les amis capitaines du côté d'Haïti, Chili, qui a pu interagir avec nous. Nous saluons Condiable Noir, plus un monde qui est en bas live là. Nous saluons le pasteur Chavan, qui toujours dit nous libérer. Ainsi que toute famille hein, qui connecte nous. Et au même tout qui connecte, qui pas fait nous signes, nous saluons. Nous comptons qu'on est là avec nous. Bonne et poule, ainsi que Mami Soso. Que bon Dieu bénisse abondamment. C'est Victoria, nous saluons nous. Et la famille Gazo. Nous saluons ça. Bon Dieu bénisse nous. Oui, bonne soirée. Bah, c'est quelqu'un monde. Sous live là, et dans le cas contraire, nous avons mis pas ce job. On a aussi des cas finis avant 9h, c'était vraiment intéressant. Parce que des fois, nous avons fini après 9h. Mais on ne sait pas ce job-là. On va faire pour lui. Non, faire pour lui, pas grand. Regardez, on vit pour faire fonctionner, on va passer par ce job. Bon, monsieur, qu'on passe ce job. Moi, pareil, frère, pour lui. Faire pour lui, pas là. Ah, ok. Parce que, bon Dieu, béni, non? Chef, ça vous dit la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen, Et amen. nous disons Dieu merci. Et dès que le fait maintenant, la parole des paroles. Et nous voyons que l'étude, ça, est très bon. Et pour les gens qui ont une chance, il faut écouter, cap écouter. Non, espérer que bon Dieu aborde le bon. Attention. Et non seulement au fin d'année, mais pour faire comme les enfants du Béry, aller ruminer, aller réexaminer les paroles-là, parce que paroles-là qu'on a besoin aujourd'hui, hein, tu as besoin demain, et on a besoin jusqu'à l'éternité bénie. Et donc, que d'après ça, l'Esprit de Dieu, bon Dieu, vous pour nous pas cadre serviteur, nous ne pas que l'autre que nous capables de dire. Le bagage que nous sommes capables de dire, ce qui est important, nous sommes capables de réaliser que nous, comme serviteurs de Dieu, allons chercher et obéissance, allons chercher gain la compassion, à ne pas chercher ouais, tout bagage. Donc, comme d'habitude, mettez tout bagage, non, chaque bagage gagne un moment. Yo. Mais quand ça est de sauver une âme, quand il s'agit c'est aller à la recherche d'une âme, ça c'est une autre bagaille. Il y a un bagaille qui est plus grand. Qu'on soit soif fait pour bon Dieu, mais il y a un bagaille qui est plus grand. Et ça plus grand, c'est une âme. Et c'est une âme, non, même bon Dieu oublie. Et à chercher dans nous-mêmes. Ah, nous, on dit bon Dieu merci. Il est capable toujours parler avec serviteur, et il est capable toujours joindre. Pour le partager, quand on entend que l'appétit du livre à Matthieu, après le film pour Matthieu, il est capable de prendre l'autre livre encore toujours, mais il a toujours joué, parce qu'il a toujours dit aux paroles, bon Dieu, à l'essayant, puis inépuisable, et toujours gagné pour le capable de bailler. C'est le bagage qui est important, le besoin des serviteurs à prier, et chacun même qui apprend pour le capable de mettre en pratique, afin que la parole est capable de servir, non. On dit bon, l'autre fois encore, on dit bon Dieu merci. Et nous sommes profiter de saluer tout le monde, auditeurs, auditrices, capteurs des noms, les membres de l'Église de Dieu Bénézère. Nous saluons. Toujours, demander bon Dieu, yon zèle, et pour être capable d'approcher, puis près de Dieu, nous capable de gagner envie de tant des paroles-là. Car tout le temps, me dit ça, c'est pas seulement et servir mon Dieu sans couler ça sa parole. Lorsque servir mon Dieu, ou pas inconscient sa parole, ou servir pour servir mon Dieu mal, parce que pas inconscient sa parole. Mais lorsque inconscient sa parole, et pour ça, nous servir mon Dieu encore plus et plus bien. Et c'est ça que je suis capable d'enseigner les mardis. Le Seigneur permet d'utiliser les serviteurs pour l'enseignement, je suis capable toujours d'enseigner. Et les dimanches, ou l'école dimanche encore. Enseignant nous, cap toujours enseigner ou parole là, fait fort pour être capable de mettre lui en pratique. Dans le verset, Dieu merci. Merci pour le moment ça que le pasteur a pris à son. Merci Seigneur pour parole, pour parler côté qu'on est capable, ouvrir les yeux, faire pour Seigneur, faire pour frère mère, et faire pour qui veut servir, qui veut servir au Seigneur, et qui veut passer beau avec égarement. Mais de servir avec vos esprits de connaissance,
Et parce que Père, nous, à chaque fois, nous connaissons plus bien et nous sommes capables de servir plus bien. Et nous, Dieu d'amour, nous sommes capables de servir chaque jour pour que nous prenions dimension dans la parole, dimension dans le service, afin que Père, nous sommes capables de servir plus bien et nous sommes capables de connaître ce qu'ils sont cherchés de nous-mêmes. Et avec nous, comme ça, servir avec serviteur au Père d'amour chaque mardi, toujours. Remplir le Seigneur avec parole et qu'il est capable de joindre pour le partager avec le peuple. Et chacun de nous-mêmes qui est capable de mettre en application parole, nous capable de servir parole. Même Jean avec et David qui dit, je sais ta parole de mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Il dit, nous Seigneur, pour ne pas quitter parole, ça nous s'enfuit. Et nous quitter parole, ça habite dans le cœur. Nous. Il va servir comme une lumière. Sur route, non. Mais ça pour nous-mêmes, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. De que grâce, Papa, communion petite là, sagesse, l'intelligence, cet esprit là, capable de mettre dans chaque point qu'il a. Capable de mettre que chaque monde capte nous là et que est capable d'habiter avec nous, non seulement pour assurer ni pour demain, mais jusqu'à ce qu'il va retourner. Amen. Maranatha, Je souviens. amen. Bonne nuit, que bon Dieu bénisse nous. Amen.